envie de dire comme ça, j'ai besoin d'un bidon de l'eau. Hop, je dis, I'll have a bottle of water, please. Ma pour un bidon de l'eau. OK? Hello, sir. Welcome to the French Garden Restaurant. How many? One. Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a moment. Hello, sir. Would you like to order now? Yes, please. What would you like to drink? What do you have? We have bottled water, juice, and Coke. I'll have a bottle of water, please. What would you like to eat? I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup. Hey, on pose une question. Ou remet sur ce temps de là? Ou t'as aimé qu'à parler anglais comme ça? Ou t'as aimé comprendre ça que je dis là? Et ou t'as aimé qu'à prononcer mot au même genre américain que je prononce là? Si répondre oui avec toute question ça, eh bien, vidéo ça est pour vous lire. Et puis surtout, pas oublier PDF sur ma garde sur laptop moi là, c'est pour me créer. Mais pour me voir le bas ou de faire trois bagages seulement. Premier bas ou de faire, c'est like vidéo. Après, partagez-le. Et puis pour finir, écris dans un commentaire. Et ma bonne en contact ensemble avec vous, m'kavre PDF là-bas, d'accord? Bon, sans plus parler en pile, on commence. Hello, sir. Welcome to the French Garden Restaurant. How many? Hello, sir. Welcome to the French Garden Restaurant. How many? Si nous regardons bien la prononciation là, et mettez to the French, qui c'est yon liaison, to the French, garden, restaurant. Ok? Tout côté nous, tout le monde qui colle ensemble, c'est liaison. Salut monsieur, bienvenue dans French Garden Restaurant. French Garden Restaurant, c'est non restaurant. How many? Ça veut dire how many people? How many people? Soit le restaurant et puis vous dites how many? On met koné, c'est combien de monde y a mandé qui ensemble à vous. Ok? Et puis, monsieur dit, one, right, this way, please have a seat, your waitress will be with you in a moment. Right, this way, please have a seat, your waitress will be with you in a moment. Ça veut dire, ok, fais là. Right, right, ok, this way, fais là, fais là. Okay, please have a seat. Ça veut dire, chita, s'il vous plaît. Lorsque l'on a un monde ou bien l'on a un restaurant, il y a toujours tout ça. Please have a seat, chita. Your waitress will be with you in a moment. Service ou a, ap ave on a un petit moment. Et puis, après quelques minutes, service arrive, il dit, hello sir, would you like to order now? Salut monsieur, ou t'as aimé commander kounya? Would you like to order now? Ou t'as aimé commander kounya? Monsieur dit, yes, please. Il lui dit, oui, s'il vous plaît. Et puis, dame l'asile, what would you like to drink? What would you like to drink? Qui soit t'as aimé boire? Et puis, monsieur dit, what do you have? What do you have? What do you have? Ça veut dire qui ça nous gagne? Qui ça nous gagne pour nous boire? Qui ça nous gagne pour boire? Qui ça nous gagne là? Vidam nous dit, we have bottled water, juice and coke. We have bottled water, juice and coke. We have bottled water, ça c'est en liaison dit. Nous gagne bidon de l'eau, jus à coca. Et puis, monsieur dit, I'll have a bottle of water, please. So, allez dans le restaurant, yo mando, est-ce que vous avez un bagage ou envie de dire comme ça? Vous avez besoin d'un bidon de l'eau? Hop, je dis, I'll have a bottle of water, please. Ma pour un bidon de l'eau. OK? Même j'avais, monsieur. Et puis, dame la dit, what would you like to eat? What would you like to eat? Qui ça t'a mangé là? Ou bien qui soit prêt pour manger. Monsieur dit, I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup. I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup. Ok? Ça veut dire, gagne un sandwich, poisson, et un bol, soupe, légumes. I'll have,
c'est tant qu'on pral gain, mais en réalité ça veut dire c'est m'apprend. OK, en anglais des fois on utilise have qui c'est gagner et mais le va faire traduction, il va forcément veut dire gagner vrai. OK, c'est un concept d'expression là. Bon, mes amis, merci en ville parce qu'on est arrivé jusqu'à la fin vidéo. Même j'en connais déjà, si vous avez besoin de PDF là, like vidéo, partagez et puis écrit dans un commentaire. Si vous trouvez que le travail m'a fait, mérite quelques supports économiques, nous connaissons ce que vous faites déjà. Voyez quelques étoiles si vous regardez des vidéos sur Facebook ou bien si vous regardez sur YouTube. Achetez super gracias ou bien super thanks ou bien si vous regardez sur TikTok. Ça vous fait, c'est voyez quelques cadeaux. OK? Malena, abonnez-vous à l'autre vidéo. Ciao.